et n'a presse officielle l'Église au milieu de nous. Je vous aime. Merci. Habite les lieux où c'est tous tes serviteurs et tes enfants qui sont venus, mon Père Céleste, pour le passage de ton serviteur, notre apôtre. Seigneur Dieu, que les déplacements ne soient pas vains. Qu'ils puissent sentir qu'ils sont venus auprès de toi pour pouvoir puiser l'eau qui est la parole de toi, Dieu. C'est ainsi que nous demandons de pouvoir les bénir, de faire en sorte que notre séjour ici, dans la province de Malaba, Seigneur Dieu, ne puisse pas être un passage touristique, mais que ce soit toi, Dieu, qui visite ton peuple. Laisse-nous en communion avec l'apôtre patriarche, Seigneur Dieu. Donne-lui la force, beaucoup de sagesse, et qu'il puisse conduire l'œuvre de Jésus. Tu béniras les apôtres, que nous puissions constituer un seul corps, afin que nous puissions nous sentir mandatés et envoyés par Jésus. Que nous puissions être aussi des sources de bénédiction pour tout ton peuple et pour tous tes serviteurs. Nous irons rendre visite à ton serviteur, notre disciple précaire. Tu connais mon passage d'état de santé de ton serviteur. Avant que nous puissions le voir, nous te demandons, Seigneur, par grâce, que tes anges nous précèdent, qu'ils puissent voir ton serviteur et que notre présence, mon Père Céleste, que nous puissions te donner dans la joie de pouvoir être avec l'un des nôtres. Tu béniras cette chorale qui nous a accueillis, cette jeunesse. Tu béniras tes serviteurs qui se sont donné la peine pour pouvoir nous accueillir. Que tu puisses les bénir. Ô Dieu, tu sois donné meilleur et plus. Fais-les par grâce dans ton amour, au nom de Jésus. Écoute-nous. Amen. 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 Amen.